on est à quand? La tour de Victor Belbo. Si j'ai une cible sur la gueule, bon, Victor, invite-nous au Magic Blue. Si Floyd, tu pouvais m'inviter à ton prochain clip. Qui c'est? Yo. Mais qui voilà-je? T'es ta pétasse tournée tout l'été. J'ai mon bail. C'est là qu'ils nous envoient un message à 6h du soir, genre, vous faites quoi? Ça fait 5h, on n'a pas de nouvelles de Victor. Je vous explique le problème. Tout à l'heure, on discute avec Totor de Spi et il nous dit, enfin on discute même pas, il a juste répondu à notre souris en disant je vous envoie un message dans la journée. Il est 5h41 et c'est que maintenant il nous dit prenez le bus, venez me rejoindre. On a enfin eu, ah le soleil, on a enfin eu un message de Totor et ce con là, il nous a fait poireauter pendant 7h. Pour au final nous faire retourner où on a été hier. Donc on retourne à l'arrêt de bus d'Aurel. Let's go! On va pas mettre dans notre blog, Victor, vous allez faire des cafés. C'est ton moment. Guy, voilà. Ça va ou quoi, ma grande? Ouais, et toi? Tranquille. Give me this. Même, oui. Ça va ou quoi? Oui. Félicitations pour ton bac. Merci. Attendez, il y a la police. Oula. Vous avez mangé? Non. Non, vous avez faim? Bon, on est de retour avec les petites DLG là. Il y en a une qui a eu son bac. Et voilà. Félicitations. Merci. Je t'ai ramené des cadeaux. On a failli faire une insolation à cause de toi. Hein? Ah, tu gères. Attends. Ah, tu gères. Oula, attention, on peut ça. Mais il est. Oh, je vais faire la même propagande que Mao. Ah, là, je vais pouvoir flex par contre. Ah, ça. Je vais pouvoir flex parce que j'ai un autre truc pour. Quoi? Attends, quoi? Je vais représenter le gang comme jamais. Oula, attends. Ok. Attends, la tête de ma mère. Attends, j'ai pas envie de me lâcher ça. Ouais, arrache-le, on s'en bat les couilles. Mais non. La tête. Pardon, mais là, ça, je l'attendais longtemps. Je t'ai dit. Mais c'est grave, une édition limitée, j'en avais plus que deux. C'est-à-dire, même moi, j'en ai pas. C'est les derniers. Et ils sont réversibles, tu peux le mettre gris ou noir. Oh, mais tu peux être de fou. Mais de rien, c'est vous qui dédez ça. Bah Banks, t'as un vrai flow avec ça. Putain, j'arrive pas à bien vous filmer. C'est bon, vous êtes au max là? Tu l'as eu à combien ton bac? Hein? Tu l'as eu à combien ton bac? Je sais pas, j'ai pas mes codes, du coup je peux pas aller voir mes notes. Ah, mais je vais le garder, attends, quelle idée. Je vais rentrer chez moi, ma mère va faire. Ça devient doux ça. Tu l'as payé combien? Je l'ai volé. Je l'ai volé à Victor. C'est important de respecter les gens, wow. Surtout je leur avais dit si elle a son bac, je la mets bien. Là ça va, je t'ai respecté. Hein. Et j'ai une autre surprise pour toi, j'ai ramené mon nerf. Non, je rigole. Il nous fait poireauter toute la journée. Toute la journée, monsieur Victor? Ah, mais je l'ai mis bien. Ah, quand... ah oui. Je t'invite à manger dans le meilleur grec de Caen. C'est chez Tata Amira, c'est à Venoix. C'est à Beaulieu en fait, en face du stade de foot. Et voilà, je vais présenter Tata Amira. Let's go. Mais quel flow! Là par contre. J'avais déjà un bob déjà, mais celui-là. Moi j'en avais pas. Ça va sinon, ça va. La ville au sans clocher. T'as bien remarqué avec toutes les églises. Hop, au bled j'habite à côté d'une église alors il n'y a que ça là. Tu viens d'où toi? Je suis portugaise à la base. C'est vrai? Ouais. Stylé. T'as déjà été du coup? J'y vais tous les ans, depuis filulé. Tu parles portugais un peu? Ouais. Tu veux dire quoi à part Calais? Ça c'est vraiment, c'est le monde, tout le monde sait dire. Du coup c'est officiel, t'as ton bac, tu viens de Japan. Ouais. Ah faut que mon daron il me prenne les billets. Ah ça je vais l'appeler, je vais faire tu prends les billets tout de suite. Mais tu sais qu'elle est restée choquée que tu lui aies fait la bise. Mais arrête de rappeler ça. Vraiment en fait j'étais là en mode. Mais j'ai vu ta tête après quand il a fini de te faire la bise, c'était en mode. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tu es officiellement sur le château aussi.
On a écrit ton prénom sur ce château. On n'a pas écrit son prénom. Non, on a écrit. À la base, on a écrit. À la base, on a écrit. C'est moi, c'est ça. À la base, on a écrit. C'est moi. Moi, j'ai écrit DLB. Elle m'a volé mon feutre pour écrire DLG avec nos prénoms. Vous avez des feutres là? J'ai un feutre pour dédicacer le truc parce que tu n'as pas le choix. Ah, mais tu tords là. Ça fera 50 balles la signature. Ouais. Compte là-dessus, Victor. Victor, il met bien tout le monde à chaque fois. Les... Victor, il respecte les gens, hein. Il fait des dédicaces sur la pelouse, hein, putain. C'est pas vraiment la vie de star auquel je m'attendais, hein. Je vous mens pas. C'était quoi déjà ce que t'avais dit hier? On a les fans qui méritent. Elle a dit quoi? Pourquoi tu dis comme ça, mais elle avait dit, Victor qui se plaint pas, il a des fans qui méritent. C'est vrai, on a les fans qu'on mérite. Je pense que c'est complètement réel. Et je pense que j'ai les meilleurs fans du monde. Je parle de ma mère, de mes cousines et tout, hein. Elle, ça compte pas. Je pense pas que tu croiseras souvent des fans qui attendent 7 heures dans le show. On n'a pas attendu 7 heures. Déjà, est-ce que je vous ai dit de m'attendre? Non, justement. Voilà. Qui t'a dit d'attendre 7 heures dans le show? C'est ça la vraie question. Ah, mais elle raconte mal en plus. Toi, t'as dit, je vous envoie un message après. Ok. On va se promener, on va au château, on voit 1 heure, 2 heures. T'as dit dans la journée. On voit, il est 4h30, on fait. La journée, elle est bientôt finie quand même. En fait, j'étais en train de tatouer. J'étais en train de tatouer un gros truc. Ouais, j'ai content. J'étais en train de tatouer un bras entier de ouf, tu vois. Et en fait, j'avais aussi... C'est passé un truc de ouf, c'est qu'en fait, j'avais une cliente qui venait à 15h pour se faire tatouer et j'ai oublié. Joris le con. Elle est restée 1 heure en bas de chez WAM, elle m'a appelé. En fait, quand j'ai vu ça, j'étais en train de tatouer l'autre mec et j'avais complètement zappé. Si tu regardes ce vlog, je suis vraiment désolé, Amandine, de ne pas avoir plus de tatou aujourd'hui. Victor, la mémoire incarnée. Laisse tomber, frère. La signature de Victor. Incroyable. En fait, la plupart des mangaka ou des auteurs de bande dessinée, quand ils font une dédicace, ils font un dessin et tout, tu vois. Et moi, j'ai trop la flemme. J'ai inventé une signature en graffiti, tu vois. J'en peux plus. Comme ça, ça m'évite de trucs. Mais tu vois, par exemple, à la Japan Expo, ouais. Et bah, les auteurs, ils ont une putain de queue de ouf, méga longue, parce qu'ils mettent 3 quarts d'heure à faire un dessin à chaque fois. Et moi, je veux pas que les gens, ils attendent. Tu viens, je te fais ta truc. Je dessine toute l'année déjà, frère. Je vais pas commencer à faire. Vas-y, ça va. Il y a assez de dessins dans le livre. Désespère. Je me désespère. Tu me désespères, toi. Et je suis plus désespérée par toi que par ma petite soeur. Hey, tu prends trop la confiance, toi. Okay. Ça y est, au début c'était j'ai pas osé lui demander une photo et maintenant ça met des vannes tous les jours, frère. Au début, là, ça dénerve. Mais en fait, la première fois que tu t'es vu, de 1, les DLG n'existaient pas. Et de 2, super impressionnant et plein de charisme, c'est ça. Tu t'es dit non, je peux pas. Pas de ouf, surtout quoi. Vraiment, en toute franchise, la première fois que je t'ai vu, je fais mais je le connais, mais je sais pas d'où je le connais. Je te connaissais il y a 3 ans de la story à D.A.S. parce que j'avais vu quand il a fait la promo. Je te connaissais du Planet Rap. Mais c'est là en mode, mais c'est fric. Il n'y avait pas le Planet Rap encore, si? Bah, bien sûr que si, on s'est vu en mars. Le Planet Rap, c'était en septembre. En septembre, en novembre. Putain, la honte, je ne me souviens même plus. Je ne me souviens même plus de quand est-ce qu'il a fait la danse du crabe. C'est parce que c'est les gens qui se souviennent de moi. Moi, je ne me souviens pas de ce que je fais. T'as vu, moi, j'ai grandi ici en fait. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Non, je ne suis pas une star, je suis un mec d'ici, tu vois. Je suis né là. Juste là, à côté de ma tête. Ouais, le gros bâtiment qui est juste à côté là. Ça me fait gueuler de fou parce que je me dis, genre dans ce manga, il raconte vraiment sa vie. En fait, il est tellement narcissique qu'il raconte sa vie. En vrai, tu sais quoi? Il y a plein de gens avec qui je parle qui font des mangas et tout. Des dessinateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de succès, tu vois. Ouais. Et en fait, ils me disent ça, ouais, moi, j'aimerais bien, mais en fait, je suis pas assez narcissique pour raconter ma vie. Mais en fait, le vrai truc, c'est pas du narcissisme, tu vois, c'est plus que dans le manga. Tu vois, il n'y a pas de manga où le héros, c'est un Renoir. Où ça se passe au quartier, où ça se passe dans une ville haute, tu vois, que Paris ou Tokyo, tu vois. Et je trouvais que c'était important de le faire pour les gens comme moi. Quand j'avais 15 ans, j'aurais kiffé lire un manga qui me ressemble, tu vois. Voilà. T'as l'impression d'écouter une interview qu'il avait faite. C'est vrai. Parce qu'en fait, je fais des copier-coller de phrases, je suis un putain d'escroc. Le fameux ça parle de moi, de toi, de nous. C'est notre histoire, c'est mon histoire, mais c'est probablement la vôtre. C'est quoi celle-là? Ouais, mais c'est vrai. C'est mon histoire et probablement la vôtre. Ça, j'étais trop content quand j'ai trouvé ce putain de jingle. J'étais trop fier de moi. Et vous savez quoi, cette interview là dont vous parlez, c'est un peu mon histoire, la tienne, là. Et ben en fait, c'est une meuf, elle m'a envoyé un message
juste avant que je parte au Japon, j'étais genre à l'aéroport, j'allais prendre l'avion, je reçois un appel, elle me dit ouais nanana, je travaille pour tel truc, j'aimerais bien t'interviewer et tout. Je dis bah dès que je rentre du Japon, vas-y on fait ça. On fait ça, je la vois, je me dis putain, mais sa tête elle me dit quelque chose, mais je suis pas sûr, tu vois. Et en fait il s'avère que j'ai remarqué plus tard qu'en fait c'est ma cousine. En fait, c'est un peu ma cousine, tu vois, on a grandi ensemble et tout, mais juste, je l'ai pas vu depuis qu'elle avait 5 ans, tu vois, et on s'est revu. On a grandi ensemble, je l'ai pas vu depuis ses 5 ans. Ouais, mais on a des photos de nous quand on était tout petit, tu vois. Et du coup, c'était marrant cette interview. Aujourd'hui, elle m'a emmené au château. T'as kiffé le château? Ouais, c'est stylé, moi, les trucs comme ça, je suis trop stylé. Il y a un musée dans le château. Hein. C'est gratuit que le mercredi, j'avais regardé ça sur internet. C'est gratuit le mercredi? Demain. Ah, mais demain, mon train. Je me suis fait ken par les grèves. Bah moi j'avais le train à 19h mais je me suis fait ken par les grèves. Pourquoi il y a des grèves? Il y a grève demain des trains et mon train il est annulé, du coup je pense que mon daron il va venir me chercher. À quand? Rien, ça a une heure. C'est quoi, c'est un cadeau pour moi? Ouais, avec c'est complètement la... mort avec la, avec la tête de Tuan dessus. J'ai resté longtemps dans mon sac. Vraiment, elle m'a montré ça, j'ai explosé. J'ai fait vraiment taper. En fait, j'ai dit à ma soeur, faut prendre une photo au hasard de Tuan. Et elle l'a vraiment pris. Elle m'a offert un cadeau. C'est Émilie et ses idées fortes. Regardez-moi sa grosse gueule à lui là. Je m'assure que je me suis pas foutu. Vous savez qu'il allait faner. Ça c'est beau ça. Merci les filles, ça fait plaisir, merci. C'est de rien. Hein. Vous êtes contentes de vos couvre-chefs? Très. C'est que là je vais recevoir que des stories, de que des trucs de « Eh moi aussi je veux le Bob !» Il y en a plus, voilà, c'était que pour moi. En fait la vraie histoire c'est que quand j'ai sorti la marque de fringues, ouais, je voulais en faire une quantité limitée, tu vois. Mais ouais, de base, je voulais faire des vêtements en édition limitée et c'est ce que j'ai fait. Et vas-y, c'est parti en 3 jours, j'avais plus rien du tout. Tu sais, il a plus vendu ses fringues que son manga, tu vois. Tu sais quoi, en vrai, non. Manga. Mais vas-y, les fringues, c'est parti méga vite parce que les gens, ils s'y attendaient pas trop. Et après, j'ai refait un réassort pour Noël. Mm-hmm. Pareil, c'est parti méga vite. Et depuis, donc ça fait presque 2 ans, c'était en 2020. Depuis. Les gens ils me demandent tous les jours des vêtements. Mais ils n'avaient pas capté que c'était une édition limitée en fait. Du coup là je vais refaire en septembre normalement, si tout se passe bien. En septembre je pense que je fais une grosse collection hiver avec des gants, des... parce que j'avais des bonnets aussi. J'avais des bonnets, casquettes. Il y a encore sur le site, mais c'est marqué en gros au coup de jour de stock. Après les bonnets. Les moi bonnets, moi j'avais bien. Vraiment un coup de cœur sur le Bob. Dès le début j'ai fait putain le Bob. T'as pas de mon message plein de somme, mais putain. Il était un peu plus grand et en fait il était brodé le logo. Mais comme il était brodé, tu pouvais pas le retourner. Parce que sinon, de l'autre côté, t'avais la broderie dégueu. Du coup, on les a fait. On fait ça au super atelier. C'est je vois, c'est eux qui font aussi fait les vêtements. Ceux qui font les vêtements d'oreilles et tout. Les 3%, d'ailleurs, j'attends encore leur merch. Eh, mais eux, ils m'énervent. Mais ils ont bientôt l'album. Bientôt, bientôt, ça veut dire quoi? Ils ont balancé des t-shirts par la fenêtre. Je fais 1m60. Comment j'aurais pu? J'étais pas là. J'ai le seum. J'étais pas là. Je veux. Et bien que j'ai dit à ma maman. J'étais pas là et ton premier réflexe c'est quoi? Faire un câlin, monsieur Chignon. Bah oui. Monsieur Chignon, wesh, comment tu m'appelles toi? C'est pas de toi que je parle. Ah, c'est de Floyd. C'est Floyd qui porte des chignons Chignon. Tout le temps. Ouais. Après moi les jus, je peux pas rester trop longtemps. Mm-hmm. Mais je vais vous emmener manger. Et si vous voulez un Capricorn, another one. Il en reste un peu second parce que je crois même que je vais pas rien. Tu lui aurais laissé en cadeau. Ça par contre c'est dingue de ouf. Mais moi la classe incarnée là. Ça nous emmène manger et tout. J'ai dit qu'il allait nous emmener en date. Comment fait rire quand t'as dit c'est l'arrêt de tram d'Orel San. Mais j'ai fait exprès en fait. C'est mon arrêt de tram. Mais en gros on était venus, on a fait des photos et tout. Et au moment de partir je fais j'ai pas fait de story. Et je me dis vas-y je vais faire une story con. Et du coup c'est là ouais c'est l'arrêt de bus d'Orel. C'est le stade d'Orel. Tout est à Orel. Tout est à Orel, voilà, Victor. C'est un peu sa ville, en vrai. C'est un peu sa ville. Bah, la prochaine. Oh. Ça, c'est un petit peu invité. Oui. Ça, c'est quoi, ça? C'est incroyable. Rien ne va. Rien cette ne va, journée, c'est incroyable. Cette journée, elle est juste. Je suis choquée. J'en peux plus de cette journée, elle est riche en émotions. La journée folle. Maman, il est là, il est à côté. Ça discute de son manga. Comme d'hab, hein. Télisseuse. Comme d'hab, on a l'habitude. Vraiment, vraiment cette journée, il n'y a rien qui va. Pendant 2h30, on était assis en train de l'attendre en ville. On l'attendait pendant 2h30. Au final, il n'était pas du tout là.
C'est à l'autre bout de camp. Et on a pris le bus, mais on a galéré avec les bus. Tout ça pour qu'au final, ils soient là, totalement. Et je vous ai emmené dans le meilleur kebab de camp, les filles. Et après, ils invitent à manger. C'est pas Magic Bob, c'est ça. Carrément, ça nous sert et tout. Ah là là. Quand je dis qu'on est des stars, c'est vraiment genre... Je tiens quand même à dire... Ça là... C'est Totor qui rigole. C'est là en plus, avec sa grosse tignasse. Ça fait sa couette et tout. C'est incroyable. Peut-être tu me filmes pendant que je fais le vlog. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Yo, ma petite Margot, ça va ou quoi? Bah écoute, on te fait un bisou, on est en terrasse, elles sont en train de manger, à mes frais bien sûr. Donc bah voilà, j'espère que tu vas bien et puis j'espère qu'on va réussir à se croiser bientôt. À plus. Ça va pas là, ça va pas ce qui se passe, regardez-le. Regarde cet homme vraiment. Je vais pas dire que je vais. Regarde-le, il flexe comme ça. Je peux très bien dire cet homme vraiment, je le déteste. Mais vous avez un compte fan? Qui passe des journées avec vous déjà? J'avoue, personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça. Il essaye de gratter des trucs. Il essaye de gratter. Parce qu'elle a eu son bac, hein, sinon je l'aurais pas fait. C'est faux. Il aurait mis un vu aujourd'hui, je ne me serais pas déplacé. C'est faux. Il s'est déplacé hier déjà. Et j'avais pas encore mon bac hier. C'est vrai. Félicitations. Il est trop fier, il est plus fier que mon daron. Mais c'est véridique. Moi, Victor Chuan. Chuan par contre, il a 10 ans de plus que moi. Justement. Pour être que, daron. C'est ça que j'ai trouvé drôle. C'est qu'elle, elle a 10 ans de moins. J'ai 10 ans de moins que toi. Ouais. À quelques, non, presque 11. Parce que bon, février, novembre. Presque 11. Mais. Tu es quand en novembre? Le 20. Le 20 novembre. C'est scorpion? Oui. J'aurais rigolé, j'aurais fait « je déteste les scorpions ». Voilà, je le savais. Non, je déteste les scorpions. Que le jour dont on allait faire, tu ne m'as même pas souhaité. Mais si, je te l'ai souhaité. Un jour avant. Je t'ai souhaité un jour avant. C'est mieux qu'un jour après. Quand même. Comment tu plains? Quand même. Je ne souhaite pas l'anniversaire à mon petit frère. Je te le souhaite à toi. C'est pas l'anniversaire à tes mains. Mais j'oublie trop, c'est le même jour que mon père. Du coup, je ne sais jamais quand est-ce que c'est son ami. Oh non, le pauvre. Désespéré. Ouais, on m'apprend des trucs. Tu vois, Teva, cœur sur toi, force. Parce que là, la honte un peu. Mais bon, heureusement, il y a Victor qui vous offre des trucs quand c'est pas votre anniversaire, quand c'est pas Noël, tu vois. Parce qu'on n'attend pas pour offrir des trucs quand on aime profondément les gens. Cœur sur vous. Faites un edit avec ce truc. Ah, mais oui, mais ça, mais totalement. Je vais en faire une. Il nous aime trop, c'est un truc de ouf. Vous êtes plus stylé que moi. Bah, ça, c'est pas non, net. Ça, c'est pas possible. Ah, malheureusement. J'aimerais bien. Il s'en va, le Totor. Il va nous manquer. Même si je lui ai pas dit en face, parce que il ne saura jamais. Tu vois dans une semaine, frère. Ouais, je vois dans une semaine. A plus, Totor. Bon, là, on a fini de manger. Et c'est passé quoi, là? Je sais pas, Victor, le grand, une couette. Ouais, il nous a fait le plaisir de faire une couette. Il nous a fait plaisir de ça, le plaisir de ça. Voilà, on voit pas bien. C'est un t-shirt manche longue DLB. On a des posters. Genre. On a des posters. Ça, ça va partir dans sa chambre. Oh mais putain, vu que je pars à Reims, je vais pouvoir mettre des posters dans ma chambre. Allez, let's go. Vraiment, ma chambre à Reims, ça va être une exposition DLB. Mais c'est... Oh, je te rappelle, il y a 2 mois, il nous avait dit, genre, on vous mettra le screen. Bientôt dans vos chambres. Oui, il avait dit en plus, il avait dit les posters bientôt dans vos chambres. Bah ils oui. Sont là, hein. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là. J'ai filmé trop de trucs là, vraiment. Là en fait, cette journée là, ce que vous venez de voir. C'est fou. Il y a nous qui râlons contre Victor. Nous qui disons, ça c'est pas. On a râlé. On a vraiment râlé. On et était après, là, nous, chieuse. Et nous après, qui. Waouh. Il a dit, ah non. Il a dit, genre, vraiment, elle dit, oh, mais elles sont belles. Et Victor a dit, mais oui, t'as vu comment elles sont belles? Il y a une tête de merde, mais il a dit, on est belles. Mais de où? Merci, Tatan. Il est juste gentil. Hein. Toi aussi, t'es beau. Je le dirai pas deux fois. Avec ta belle couette. La couette, par contre, elle était très jolie. Mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Genre. Et il nous a offert des capricieux. Et un kebab. Et un kebab. Mais, mais d'abord, tu sais, vous avez soif? Oui. Capricieux? Ouais. Allez, let's go. Ah, vraiment, par contre, ah, cet homme. Ah, je le dirai pas deux fois, hein. Mais il est incroyable. Retiens bien ce que je viens de dire, hein. Je le redirai pas deux fois.
Je voulais juste ton 06. Je t'appellerai pas que. 1, 2, 3. Ça, faut que ça cesse. Parce que sinon, je crois que je vais niquer ma gueule. J'ai pas envie d'en arriver là. Alors reste tranquille. C'est la première et la dernière fois que je te le dis. Donnez-moi de l'argent. Je suis un peu comme ça. Si vous avez une petite pièce. Oh, j'ai une idée, j'en fais ça. On met en description. Genre, donner de l'argent à Victor pour qu'il finance. Tome 3. Finance le tome 3. Finance le tome 3. Il a pas d'argent. Venez le chercher ou c'est moi qui vais vous chercher. Oh putain, oui, attends. Venez le chercher ou c'est nous qui allons vous chercher. C'est très drôle. Les gens, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle fait. Oui, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est comme. Il a un petit cœur. Ah, petit cœur. Il a eu trop la flemme d'écrire. Victor, je tiens à te dire. Je te le dirai pas deux fois. T'as vu, t'as dit que tu nous aimes profondément. Ça, je te le dirai pas deux fois. Moi aussi, je t'aime profondément. J'avais dit que je le dirais pas. Mais vas-y, prends pas la grosse tête par contre, parce que sinon j'arrête de t'aimer immédiatement. Tu te rappelles quand j'avais vu ça, tu m'as dans le bloc, genre on était fans mais doucement. On était fans mais doucement, tu vois. Genre là, je te dis ça, je te le dis, ça reste entre nous. Que Victor, si tu continues à prendre la confiance. Waouh, j'ai cru t'es. Je vais viser cette fois. Oh la folle. On rappelle, Victor il oublie l'anniversaire de son propre frère miskin. Vraiment, c'est un mini Victor mais en beaucoup plus gentil. C'est un ma DM une fois pour me dire t'inquiète, je retiens Victor, vous pouvez le frapper. Juste pour ça, tes vaches te portent dans mon cœur. Oh, une voleuse celle-là. Bon, tu quoi? Une voleuse. J'avais pas Victor, moi je chope pas les gens. Je suis sûr c'est un dealer. Waouh. Waouh, ça tire à balles réelles. Tu veux pas ça non. Ça tire à balles réelles. Littéralement, elle venait de naître, il dînait déjà. C'est vrai en plus. J'aurais pas l'impression qu'il est vieux parce qu'en fait on dirait un enfant. Mais si, parce que t'as bientôt 18 ans, il a 28 ans, réfléchis. 10 ans. Ah oui, 10 ans, donc il avait 10 ans, donc vraiment on est en train de. Donc il était pas du tout en train de dîner. Mais attends, mais même Victor il a pas de bob, donc ça veut dire. Lui il a des bobs, il raconte de la merde, lui il raconte toujours n'importe quoi. Ouais, c'est un menteur. C'est sûr, il dit aux gens, ouais, il y en a plus. Menteur, il en avait deux chez lui. Ouais, mais il y en avait que deux. Que pour nous. Alors t'as dit à Margot, il n'aura plus. On va dire à Victor qu'il en fasse un geste pour Margot. Ouais. T'inquiète, même pas Margot. On va nous faire grave mal. Mais c'est le karma. Le karma pour être une connasse, Emily. Je suis pas une connasse. Je vais encore me faire frapper. Je suis une maxi connasse. Bon, fin de journée. Il est minuit et demi. Je sais pas du tout pourquoi je fais ça à minuit et demi. J'aurais pu faire un plat avant, quand j'étais encore fraîche et tout avec mon make-up. Ah, aujourd'hui, c'était... C'était quelque chose, hein, n'est-ce pas? Je suis émue. Je suis plus qu'émue, moi. Dites-vous, je viens de revoir tous les rushs de quand on était avec Victor. Laisse tomber. C'est trop. N'est-ce pas, Émilie? C'était incroyable. Vraiment, genre. Il y a ça, oui. J'ai un putain de bob. Et j'ai un putain de t-shirt manche longue. Ça veut dire que quand il va faire froid, je mets un t-shirt, je mets ça par-dessus. Quand il va faire chaud, je mets ça et je retrousse les manches s'il faut. J'en ai dans la caboche. Genre, je vais débarquer à la Japan avec ça et je vais me mettre là. Oh, je l'ai eu, il n'y en a plus. T'inquiète. On a été prendre des photos de malades. Des photos qui seront sur le Insta au moment où ça va sortir. Le Insta officiel qui est incroyable. Moi, notre compte Insta, c'est un sbeul. Mais tu crois vraiment qu'il y a des gens extérieurs aux gens qui nous follow qui vont venir voir ça? Peut-être les amis de Victor. Fou la honte. À tout moment, il y a genre ses frères, ils arrivent et ils font. Mais ouais. Et là, vraiment, les photos sont très swag. Ce sera sur mon compte privé, les photos. Il y en aura peut-être 2-3 sur DLG. Mais ce sera sur mon compte privé aussi, enfin, mon compte perso. Qui est dans la bio de DLG. Et qui est là aussi. Voilà, je me propagande tout seul. La suite des milliers, en fait, me propagande tout seul. Mais voilà. J'ai pas les mots, en fait. J'ai besoin de dormir. Et j'ai besoin de... D'ailleurs, Victor, si tu as regardé jusqu'ici, sache que cette nuit, tu as apparu dans mon rêve. Je sais pas ce que tu foutais là, mais tu étais là. J'ai aucun souvenir de mon rêve, à part qu'il y avait ta grosse tête là, ta grosse tignasse rouge. Et qu'à un moment donné, genre, tu m'as pris la main pour faire je sais pas quoi. Sûrement une bêtise. Parce que de toute façon, je sais faire que ça. Et voilà. Je suis fatiguée, faut que j'arrête. Bon,
se retrouve demain s'il y a des trucs intéressants, parce que c'est rien d'intéressant, au pire. Voilà, mais. Ciao! Jour 3, dernier jour. Mon daron, en plus, il vient me chercher plus tôt, du coup, vu que mon train est annulé. Yes! Du coup, là, on va où là? La bibliothèque? C'est tôt, bah, un c'est peu? C'est pas encore ouvert. Ouais, c'est tôt. Mais là, on va se balader. Donc, ouais, il y a un monsieur, il marche comme un PNJ dans les jeux vidéo, c'est très bizarre. Putain, j'avoue. Mais il y a une démarche chelou, on dirait un Sims qui est un peu handicapé. Là, on est au summum du swag avec nos petits bobs et tout. Regardez-moi ce swag là, on a trop de swag. Non, très très beaucoup de swag. Rien que le bob, il donne un swag. Tu vois, tu passes de swag à extrêmement swag. Là, on a des photos qui sont incroyables, qui sont normalement déjà sur le Instagram. Normalement, d'ici là, je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Le montage, il va prendre 15 ans. Mais du coup, voilà. C'est. Ça va être le zbeul un peu. En plus, j'ai d'autres vlogs à tourner dans une semaine et demie, littéralement. Hein. Totor, on se sait. Il y aura beaucoup de vlogs à regarder. Il y aura beaucoup de. Vraiment, tu vois, les connards n'ont qu'à bien se tenir. Tu vois, elles ont genre 15 vlogs. Nous, on va en avoir 15 en 2 semaines. En plus, après, il y aura les vlogs en décembre. Entre les deux, bah, Totor, faut qu'on s'organise des trucs. Et en octobre. Faire du contenu. Toi, en octobre, moi, en décembre. Deux jours d'affilée, s'il est là. S'il est là, bah, il sera là, c'est à quand? T'as intérêt à être là, Totor. Et moi, après, on se voit à Paris. T'as intérêt à être là aussi. Bah, tu seras là, de toute façon. Hein. T'inquiète même pas, on ira à l'after ensemble et tout. J'essaie de gratter des. Je gratte des trucs, tu voulais m'inviter à l'after à Amiens, mais il n'y en avait pas. Invite-moi à Paris, il y en aura forcément. Ça, vous allez pouvoir avoir votre battle. Ah putain, on aura notre battle sur Civilization Fighters. Je veux me taper contre Floyd aussi. Juste pour, comme ça, si je perds, je fais ah, mais c'est parce que t'es trop fort. Comme ça, je lui flatte son ego. Tout ça pour flatter l'ego de Floyd, hein, quand même, on en parle. Et comme ça, tu pourras redire, j'adore ton chignon. Comme ça, je pourrais faire, ouais, mais son chignon, il me déconcentre aussi, il est trop parfait. Mais voilà. Là on est, bon, on se promène, il fait chaud. Merci le bob, vraiment il protège mon crâne, mon gros crâne. En plus vraiment ça me va. Grave, hey, je te jure par contre Victor, on était à ça de crever à cause de ça. J'ai remarqué sur marqué bébé, ils m'ont dit en L. Ah oui, c'est Diamond Boy. J'ai remarqué qu'il y a énormément d'églises à Caen. Bah les églises, il n'y a que ça, vraiment Caen, il ne devrait pas s'appeler Caen, ça devrait s'appeler Égliseville. 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 Je ne sais pas ce que l'on va faire de notre journée puisque je pars dans littéralement 4 heures. Il faut que j'appelle la daronne pour lui dire pour le bac, pour ma robe. J'ai une robe DLB. Pouah ! À deux doigts de le faire, à deux doigts de la créer. Vraiment à deux doigts de créer une robe DLB. Tu le logo, tu le mais oui, je brode le logo dessus. Mais il y a mais, une idée de fou malade. Victor, un jour tu vas me voir avec une robe où il va y avoir écrit Diamond Little Boy. Ou Diamond Little Girls. Ça ici c'est mon spot. Ou tout simplement le logo qu'il y a ici et qu'il y a là-haut là aussi. Update, on a été à la bibliothèque, on s'est fait ken par l'imprimante. Ça voulait partir sur l'impression de photo. Ça marche pas. Vous voyez quand je dis que quand c'est une. Fait que je ferme ma gueule. Plus jamais Victor va vouloir me voir s'il continue à entendre des conneries qu'il dit sur quand. Voilà. Ville de campagnard, écoute hein. Bon, vu que je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit bilan des trucs que j'ai vus, des trucs que j'ai pas vus. J'ai vu des trucs sympas, voilà. J'ai vu. Tu as vu. J'ai vu Victor, c'est une très belle attraction à Caen. Super, en plus c'est gratuit. En plus c'est gratuit. Même à manger là-bas c'est gratuit. J'ai pas vu un max de trucs en vrai. Je me dis ouais, je vais aller voir la fresque d'Aurel, elle est à une heure d'ici, on va pas y aller. C'est vrai que j'ai pas vu immensément de choses, mais bon. C'est déjà pas mal, t'as vu. Parce ouais, bah j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu What, j'ai vu les lieux de DLB, les lieux de Comment c'est loin, et j'ai vu Victor. Bon, on est parti à Carrefour, voilà, ce truc, il fallait vraiment regarder, un truc lifestyle. Victor. Voilà Victor, on aurait dû le prendre hier, on lui aurait partagé. C'est Émilie qui a pensé d'ailleurs, moi j'ai pris mon fusil parce que bah j'en ai plus. Je dirais que c'est mon cadeau pour mon bac. Tu sais, c'est deux albums et une bouteille de fusti. Paye ton bac, quoi. Tu sais, il y a des gens, ils ont une voiture, ils ont des trucs. Bon, moi, j'ai un appart. Et je vais à la Japan. Et t'aurais une voiture. Mais ma voiture, je l'ai déjà, ma voiture. Oui, mais t'auras un permis. Ouais, mon permis, c'est pas un cadeau pour le bac. Quand j'aurai mon permis, je veux un autre bob, tu sais. Non, mais... Ouais, c'est. Quand t'auras ton permis, tu pourras venir à Caen et revoir Totor. Mais totalement, en plus, vu que je pourrais conduire tout seul, je vais venir, je vais faire Totor et tout... Viens, on se capte, on va se faire un café et tout. En plus, vu que je serai, du coup, bah, forcément, je serai majeure. Viens, on se fait un apéro et tout. Tête à tête. Viens, on se voit un peu de whisky.
Totor, pourquoi pas. Totor, c'est du rhum, c'est pas du whisky. On va venir à se faire un petit apéro et tout. On se prendra des cocktails et tout. Tranquille, je serai majeure. Et puis dans tous les cas, je risquerai rien. Puisque bah, Totor est là. Totor est là pour protéger ses petites chouettes. Majeure ou pas majeure, bah les couilles. Pourquoi que Totor était pas là quand les deux gars chelous ils sont venus nous parler. Ah mais oui, quand t'es parti. Ils sont installés à côté de nous et tout. Ouais, quand t'es parti, Totor, il y a deux gars chelous qui sont venus. Et qui ont commencé à nous taper la discute, on s'est vite barré. Moi aussi, j'étais là en mode. Je posais des questions un petit peu, genre, ouais, du coup, tu fais quoi quand. Tu as 45 ans, bouge. Bref. Voilà. Tu sais, les gens, quand je dis que quand. Ouais, genre. Aussi, genre comme Victor. Ouais, j'ai appris à Victor. Victor, t'es en mytho, parce que attends, à l'époque, j'avais fait un post où c'était Victor est très sociable, soit comme Victor. Il avait repartagé en mode, oh non, je suis pas sociable. POV Victor, va parler à des gens connus. Mais grave, Victor, on l'arrête dans la rue et sans même savoir qui c'est, genre. Et lui, il va faire, ouais, tranquille, ça va ou quoi là, ça va la famille et tout, le poisson rouge va bien. J'ai sorti un manga, d'ailleurs, j'ai donné. Pouah, il va. On va à Paris. Allez, let's go, on va à Paris à Corse. Totor, passe le permis, tu nous emmèneras. T'aurais pu me ramener chez moi, Victor, quand même, hein. Franchement. Je fais tout ce chemin pour venir te voir et tu me ramènes même pas à la maison. Dès qu'il y a plus de voiture. Je suis outrée, je suis scandalisée. Ah, faut que tu m'emmènes au mémorial, toi. Personne, on va te faire une pizza. On va te faire une pizza. Ouais, non, pas chaud, hein. En vrai, je dis ça, il y a que moi qui se fais une pizza, je crois. Ton anniv, il tombe le 10 février. Je serai majeure. À tout moment, je te fais une surprise et tout. Donne-moi ton adresse, viens chez toi et je fais hé, hey, tata. D'ailleurs, Victor, ça dit quoi les meufs et tout? Il a dit qu'il avait peur des meufs. Ouais, t'as dit t'as peur des meufs, mais ça dit quoi quand même? Parce que ça se trouve, il a peur des meufs. Mais ça se trouve, genre, il a une meuf, c'est pour ça qu'il a peur des meufs. J'espère pas, attends quand même. Ça veut dire qu'il a des gens qui préfèrent à nous, genre. Je suis pas d'accord. En fait, c'est un famille d'avoir une meuf, tu vois, genre. Non, on fait partie de ta mif, je suis désolée, Victor. Ah, ça y est. On était petite sœur. On était petite sœur, je suis désolée. Ouais, le festival Beauregard, il commence aujourd'hui. Victor, si tu y vas, tu m'invites. Invite-moi. C'est faux. Il va pas nous inviter, frère. Là, ça coûte cher. Est-ce qu'il y est déjà? Bah non, puisqu'il tatoue. Oui, monsieur tatoue. Monsieur tatoue tout le temps. Il tatoue tellement qu'il oublie des rendez-vous. Pauvre Amandine. Miskine Amandine, on n'est pas ensemble. Waouh. Mais c'est très chill comme coin, ça. Ça se trouve, il y a juste Victor, il fume son petit ouinge là. Elle m'emmène dans un endroit, je sais pas où elle m'emmène en ça. La colline aujourd'hui. Ouais, mais. Meilleur parc de nature encore. Bah à voir hein, imagine je suis pas convaincue. Allô. Animaux normands, des vaches. Oui, il y en a une, elle s'appelle Marguerite. Oh mais quel nom éclaté, vraiment toutes les vaches s'appellent Marguerite. Il y a des chèvres, vraiment on est là où il y a des chèvres. Oh, il y a un âne. Il y a un âne. Je suis trop fan des ânes, c'est toujours trop mimi. Salut toi. Ta grosse tête là, il est trop mimi. Oh elle est trop mameuille, j'adore les vaches, j'aime trop. Oh, il y a des moutons! Oh putain, mais c'est trop mignon! Oh, c'est incroyable! Il est incroyable! Salut! C'est Scred! Coucou Scred! Bah, tu gueules toi! Hein. Arrête de gueuler! Ça, c'est Victor! Victor! On a trouvé Victor! Ouais, tu sais, je trouve ça trop mignon, premier degré! J'adore les cochons! C'est pour ça que j'adore Victor! Il va vraiment me frapper, genre ça c'est Victor. Viens, sinon je te trop te queue comme ça. Sinon je te. Si ça te suffit pas, je te pince la queue. Si ça te suffit pas, je te pince la queue. Pardon, j'étais obligée de faire cette vanne. Victor, je savais pas que t'avais des enfants. Je savais pas que t'aimais les enfants. Bravo. Coucou. Coucou Victor. Oh le vent. Il m'a mis un big vent. C'est vraiment. C'est Aurel quoi. Il veut tellement se barre. Dermo, tu viens ici. Dermo. Il s'appelle pas Dermo en plus. Vraiment c'est trop, il ressemble à Victor, il est un peu con. Il va vraiment me frapper genre. En plus ça va sortir avant la Japan. Il va mal. Oh, il y a un bébé biquette. On va voir les bébés. Je sais pas si on le voit d'ici. Là il y a un bébé biquette. Waouh. Genre Normandie miniature. Vraiment regarde, c'est narcissique. On a France miniature et puis eux ils ont Normandie miniature. Plus narcissique que ça, tu meurs. Ah non, plus narcissique que ça, c'est Damon Little Boy. Il y en a deux. Il y a deux bébés biquettes. Ils sont là, il y en a deux tout petits.
Je vais mourir, c'est trop mignon. Par contre, il fait chaud de ouf. On dit merci, Victor. Vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux comme cadeau de bac. Genre, un date et un bob et un t-shirt que je n'ai pas mis aujourd'hui. Et heureusement, parce que si je l'avais mis, je serais probablement morte de chaleur. Victor, si tu vois ce vlog et que tu m'as pas encore envoyé la vidéo, envoie-moi la vidéo complète de la story où tu dis « Vous en aurez pas vos races, pourquoi on me voit plus ?» Ouais, voilà. Il a coupé parce qu'il avait peur. Ouais, t'as coupé, t'avais peur, vraiment. Je veux voir ça. S'il te plaît, Victor, envoie-moi la vidéo. Si tu m'envoies la vidéo, je pourrais te dire un truc genre trop mimi, si tu veux, tu vois. Parce que moi, je suis trop la meuf, genre... Mais je peux te dire des trucs mignons, si tu veux. Et je te ferai ta meilleure pub. Et si tu veux, je te paye un grec. C'est rentable, non? Là, c'est ce Victor, parce que c'est lui qui a le plus grand duel. Oh, les bâtards. Là, il y a aussi les trois DLG, voilà. Là, c'est nous trois. Je crois qu'il me laisse le toucher, genre. Non, il a peur de WOM. C'est un message, faudrait peut-être répondre à ma pote. En anglais, bien sûr, s'il vous plaise. Mais sauf que du coup, je vais pas vous partager ça, parce que bah, Victor, il comprendrait pas, miskin. Il parle pas l'anglais. Vraiment un cassos, ce Victor. Il sait juste dire what's up, guys. Grave. La seule phrase qu'il sait dire, c'est what's up, guys. I'm here with my brother. My brother. Ça, c'est pas my brother, c'est my brother. Vas-y, en plus, on est américain. Viens des voir. Même français, s'il va parler, il dit viens des voir. Non, mais vraiment, franchement, la seule attraction qui est rentable ici, c'est Victor Dermo, tu vois. Et Orelsan. C'est les seules attractions potables à quoi, franchement. Vas-y, bois ton Volvic fraise. Tel Victor Dermo, exactement. Victor, c'est vraiment notre exemple pour tout ce qui est connerie. Voilà, imagine, on finit rémunéré parce qu'on devient plus connu que Victor, genre. Ce serait incroyable. De toute façon, notre chaîne YouTube, on va avoir 10 millions d'abonnés. Allez, let's go, on va dépasser Squeezie. Là, on va rentrer. Totor, tu manques de fou déjà. Vraiment, là, c'est moins drôle quand t'es pas là. C'est drôle quand tu nous racontes des anecdotes, même si on les avait déjà entendues. Tu radotes. Tu te fais vieux. Oui, mais il a dit, c'est un putain d'escroc. Ça fait 10 minutes, tu parles dans le vide. En disant, ouais, Totor, tu manques et tout. Il va prendre la grosse tête, frère. 10 minutes que je dis qu'il me manque. Bah écoute, hein, merci mon ref pour ça. Hein. Je t'appelle vraiment mon ref, j'ai aucune forme de considération. Aucun respect. C'est mon ref, c'est poteau, c'est tout ce que tu veux. Vas-y, t'es mon frangin. Et je tiens à dire que Victor, il m'a vraiment appelé sa frangine. Il m'a appelé comme ça à Amiens, devant ma pote, donc j'ai une témoin. Voilà, vraiment, il m'a appelé frangine. Donc je suis sa frangine. Vous, j'en sais rien, moi je suis sa frangine. Voilà. Beaucoup de considération ici. Hein. C'est pour ça que du coup, si je l'appelle mon ref, bah, c'est littéralement le cas. Voilà. C'est Frangine, c'est ma grande, c'est les louloutes, c'est les petites chouettes, c'est voilà, c'est les petites meufs, n'est-ce pas? Les petites girls aussi. Les petites girls. Bientôt, ça va être les gonzesses. Ce serait très drôle qu'il arrive et qu'il fasse les gonzesses. À tout moment, il regarde ce vlog et il fait ça va les gonzesses. Imagine, il commente. Ok, les gonzesses. Oh, ce serait drôle. En tous les cas, on se retrouvera à la Japan. Ça, c'est très cool. Vraiment, je vais arriver, je vais faire. Yuri, ma meilleure amie. Yuri, tu viens, on va au hall 5. Je vais arriver, je vais voir une tourelle, je vais faire. On va au hall 4. Je vais me barrer très vite. On va marcher un peu, je sais pas, j'ai combien de batterie. J'ai 17. On va peut-être arrêter. À plus tard. J'ai complètement oublié de vous faire une fin digne de ce nom. En voiture ou avec Emily ou peu importe. Voilà, j'ai zappé complètement. J'étais un peu trop dans le mood triste de partir. Mais voilà, je suis revenue chez moi, comme on peut le remarquer, ma voix est un peu éclatée, à force de dire des bêtises. Mais voilà, c'était très cool, hein, ce 6 jours à Caen. J'espère que le vlog a été pas trop chiant à regarder, il y a des moments sympas. J'espère que le ou les vlogs vous ont plu. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dans une semaine, parce que je vais à la Japan et je vais tourner des vidéos à la Japan aussi. Voilà, je vais faire... les vlogs à la Japan, ça va être incroyable. Vous allez voir à quel point je fais chier tout le temps quand je suis seule, c'est insupportable.